Shim-Sham, le Frankie. Ouais. Le Shim-Sham est une danse qui a été inventée par le danseur de claquette, Leonard Reed. Les danseurs de swing ont vu ça et ont fait « Ah, c'est tellement ça coche! » Ouais. Donc, ils l'ont, on l'a repris à notre sauce. On a aussi le Shim-Sham de Alan Young, le Dean Collins Shim-Sham ou le DC Shim-Sham. Dans les prochaines semaines, on va sûrement s'attarder à ces différents autres Shim-Sham. Mais pour l'instant, la version la plus populaire du Shim-Sham est celle de Frankie Marlin. Et si vous êtes sorti danser, vous l'avez vu, c'est sûr, sûr, sûr. Ouais. Ce qui est fun, c'est que c'est super simple. C'est un jeu de répétition et d'imitation. Hein? Donc, ce qui se passe, hein? On va faire tout ça deux fois. Je vais vous le montrer. Hein? Et ça une fois, et après, on le fait. Hein? Et ici, on en parle tout à l'heure, hein, mais c'est soit un mouvement, ce qu'on appelle un break, ou un break complet, où est-ce qu'on va arrêter la deuxième fois. Allons-y avec le début, les stamps. Toute la chorégraphie commence sur 8. Hein? Donc, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière fois, donc la troisième fois, on ne va pas prendre de pas. On ne va pas prendre de pas. Ouais, on va garder notre jambe droite libre pour aller vers le break. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est notre premier 4-8. 3 stamps, 1 break. Ouais. Donc les stamps, on les fait 1-1-2. C'est un jeu assez commun en jazz. Ouais. 8, 1, 2, 3, et 2 fois à droite. 1 fois à gauche, 1 fois à droite, 2 fois à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez 5 minutes de plus, vous pouvez apprendre le break un peu plus festif qui fait 8, 1, 2, et 3, et 5, 6, 7. Encore une fois, 8, 1, 2, et 3, et 5. Ouais. 8, 1, 2, et 3, et 5, 6, 7. Ensuite, on s'en va vers la série Crossover et Tekken. Bon, on fait 3 fois des crossovers en hésitation. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis la dernière fois, on les fait sans hésitation. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va en battre directement dans le taquet. 5, 6, 7. Sur 7, on va prendre un step complet juste parce qu'on veut avoir la jambe droite libre pour notre break. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ensuite, half break. Deux versions pour l'instant. Hein? Version super simple que je montre souvent à des gens qui n'ont jamais dansé. Bon. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait ça deux fois avec un break. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'après, on le refait encore. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, tu vois, tu. Sinon, le vrai half break est avec un kickball change. 8, 1, 2, et 3, 4, 5, 6, et break. Mais dites-vous, on va remplacer ça. Chaque fois qu'on fait ça, on fait ça.
Boogie, et Shorty George. Hein? Donc, Boogie Back, une série de kickball change, fait des affaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Boogie Forward, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut faire les Boogie Back aussi comme ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis d'habitude, on recule pas mal, puis on réavance. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, chou. On fait ça deux fois. Ensuite, on refait des boogie-backs. Chou, Shorty George. Le Shorty George est un mouvement qui vient de Shorty George Snowden, qui était un très petit danseur qui se diminuait encore plus en allant proche du sol. Couple de choses à propos du Shorty George, probablement le mouvement là-dedans le plus challenging. Gardez vos pieds sur les mêmes skis. Ouais. Donc, c'est pas, il n'y a pas de rotation. Ouais, on avance comme ça. À chaque fois qu'on prend un step, par exemple, on va prendre nos genoux et aller d'un côté ou de l'autre. Voilà. Faites attention à vos genoux en ces temps d'activité physique moins. Mais c'est pas mal ça. Gardez vos pieds sur les mêmes skis et faites aller vos genoux. Loussez vos hanches, comme dirait Marie, extrayez-vous de passer. Chou, ça va aider. Maintenant, démonstration sur musique. On va prendre la version de Tuxedo Junction de Erskine Hawkins. Le shim-sham fonctionne sur n'importe quelle musique A, B, A. Tuxedo Junction est une des populaires. It Ain't What You Do de Jimmy Lunceford. I don't really like it for some reason. Mais c'est pas grave, on juge pas. Donc on a une petite intro dans Tuxedo Junction. Thank you.
par là et on continue à danser. Parfois, il y a quelqu'un au micro qui va dire des instructions, faites le poulet, freeze. Ouais. Donc, c'est un beau moment comme nous.